tous les honneurs. Alléluia. Amen. Il mérite toute louange. C'est le seul qui est digne à toutes ces choses. C'est ce qu'il a fait pour nous qui sommes sauvés. Personne dans ce monde ne pouvait le faire. Pas même tes parents. Pas même ton argent. Puisque il est dit quelque part. Le salut de l'homme est très cher. C'est ma ukovu ya mutu ni ya bei kabisa. Même si quelqu'un devenait de plus en plus riche. Hata mutu akiwa na fedha mingi wala mtajiri kabisa. Il ne pourra jamais racheter son âme de la mort. Hata weza kamu kukomboa nafsi yake tokea lufu. Dieu n'a pas permis que le salut soit monnayable. Mungu ashukuruhusu ukovu wapate kuinunua na fedha. Mais il a permis que le salut. Lakini aruhusu ukovu soit accompli. Itimizwe. Par le sang de son fils Jésus-Christ. Au petit Adam ya mwana wake Jésus-Christ. Si le salut pouvait être acquis au moyen de l'argent, kama ukovu ulipasha kupatikana munamuna yako kabla fedha, des choses de ce monde, bintu ya dunia, alors que parmi nous il y a des démunis. C'est que beaucoup parmi nous manqueraient le salut. Mais Dieu, dans sa sagesse, lakini Mungu mwekima yake, il a jugé bon aliona mzuri, que le salut ukovu, soit offert à chaque personne kwa kila mmoja, au moyen de la foi, unamuna tu ya imani, dans l'œuvre que Dieu a accomplie au calvaire. Mukazi yenye Mungu alitimiza au Golgotha. Maintenant, si nous réalisons que nous avons été sauvés gratuitement, kama tunaona kusema tuliokolewa kwa bule, au moyen du prix qui est notre foi, unamuna kwa bei ya alma damani ya bei ya imani yetu, lorsque nous devons le louer, wakati tunapasa kumusifu, nous allons le louer comme utamusifu unamuna inayostahili. Il mérite la loi. Il mérite les honneurs. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas correct. Aina sawa. Que Dieu nous bénisse encore. Avant d'écouter la parole, bila kusikia neno, nous avons des requêtes que nous allons lire. Na mahitaji yetu tutasoma. Ok, ça passe maintenant, merci. Le pasteur, il a le contrôle de l'église. C'est bien. Mzuri. Il ne doit pas écouter comme tout le monde. Il doit veiller à tout ce qui se passe dans l'église. Maintenant, je me rends compte que le micro répond. Merci pour ça. Nous lisons les requêtes. Notre frère aimé, il remercie le Seigneur de l'avoir gardé puisqu'il est allé à Kasumbalesa. Il l'a gardé en chemin. Il est reconnaissant et il le remercie pour ça. Notre sœur Mahongo a besoin de prières des saints. Et elle nous fait savoir que ses enfants sont internés à KCC. Et où ils sont souffrants. Il a besoin de nos prières pour que Dieu fasse la grâce à ses enfants. Notre sœur Janie a besoin de nos prières en faveur de ses enfants qui sont souffrants. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Mais il y a aussi notre requête. Père Tanden remercie le Seigneur grandement. Il dit puisqu'il était loin de l'église, mais maintenant qu'il est près de l'église, donc il aura beaucoup de facilité pour venir à l'église. Pour ça, il remercie le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître aux Romains, là où nous avons lu hier, Romains 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre Père Céleste, ce soir nous sommes en ta présence. Puisque nous avons été conduits par le Saint-Esprit, nous croyons du fond de nos cœurs que nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans toi. Nous avons besoin de toi pour vivre comme des chrétiens dans ce monde. Ou lorsque les portes ont été ouvertes, nous avons jugé bon de nous rendre dans ta maison où le jugement tombe pour nous façonner selon ta volonté. Nous venons faibles, mais après avoir écouté la parole, nous sortions de cet endroit fortifié. Nous venons ici malades, mais après avoir écouté ta parole, nous sortions guéris. Assiste-nous, ô Dieu, même la parole qui vient d'être lue, nous ne sommes rien devant ton peuple. Nous nous sentons même faibles, nous nous sentons indignes, car ce peuple est d'une grande valeur. Il est censé uniquement t'écouter toi. Quand nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous rendre, nous puissions transmettre uniquement la volonté divine. Circoncis les oreilles qui vont écouter, même les lèvres qui vont parler, bénis les requêtes qui viennent d'être lues, guéris les enfants de nos sœurs. Nous croyons que tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Depuis hier, nous étions en train de nous entretenir sur un thème. Nous avons senti un poids sur nous. Et nous nous sommes dit que si nous partageons ce poids avec l'Église de Dieu, ça va nous fortifier tous. Ça va nous aider tous. Si vous avez quelque chose de bien, vous avez une inspiration que le Saint-Esprit vous accorde, vous avez une révélation, ne gardez pas ça pour vous-même. Alléluia. Amen. Donnez ça aux autres. De la même manière que vous avez été édifié par cette inspiration. De la même manière que vous avez été enrichi par cette révélation. Donc c'est de la même manière que les autres aussi seront édifiés. Et les autres seront aussi fortifiés. Pourquoi? Nous sommes en train de parler sur un thème au tableau intitulé « La puissance de Dieu pour transformer ». C'est une prédication que le prophète a prêchée en 1965. Et nous avons aussi trouvé l'inspiration dans cette même prédication. Pourquoi nous allons la partager avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Hier nous avons lu ici. Nous avons dit que Paul nous exhorte. Que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Comme des chrétiens. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être identifiés au monde. Puisque si vous aimez le monde, vous prouvez réellement que vous n'aimez pas le Seigneur. Celui qui aime le monde n'a pas encore cru le Seigneur Jésus-Christ. Puisque lui-même, depuis qu'il était dans ce monde ici, il n'a jamais aimé le monde. Il n'a jamais envié les richesses du monde. Contre, il condamnait le monde. Voici, vous vous conformez au monde.
Vous prouvez réellement que vous n'avez pas Christ en vous. Mais nous, en tant que des chrétiens, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand nous devenons transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est alors que nous allons parvenir à discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne parviennent pas à ce discernement. C'est puisqu'ils ne sont pas transformés à partir de leur intelligence. C'est-à-dire que vous avez une intelligence qui est obscurcie. Et vous vivez comme un païen. Il vous sera difficile de discerner la volonté de Dieu. Un exemple très clair par rapport à ça. Venir par exemple à l'église, ça c'est la volonté de Dieu. Puisque Dieu dit quelque part, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Maintenant, si vous vous manquez ce discernement, c'est en tant que chrétien, je dois aller à l'église. Puisque là, on prêche la parole de Dieu. Quand je vais écouter cette parole, c'est alors que je vais grandir. C'est alors que j'aurai une bonne santé. C'est pour mon bien personnel en tant que chrétien. Mais si vous manquez ce discernement, vous montrez que votre intelligence n'est pas encore transformée. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi la transformation à partir de l'être intérieur, c'est très très capital. Que Dieu nous bénisse richement. Un autre exemple, lorsque nous devons venir à la prière les mardis, c'est la volonté de Dieu. Ma pensée à Mungu. En tant que tes enfants, en tant que ses enfants, ma toto ya Mungu, que nous ayons de la force par la prière pour vaincre le diable et ses démons. Donc, lorsque vous ne comprenez pas cela, vous ne discernez pas cela, c'est puisque votre intelligence n'est pas encore transformée. Et Dieu nous bénisse le chemin. Et nous avons montré que c'est très important. Ceci, c'est un rapport même avec Jean chapitre 3. Où le Seigneur disait à Nicodème que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. La révélation est venue. Nous a fait comprendre. Voir le royaume des cieux, ce n'est pas voir avec des yeux comme ça. C'est saisir par le cœur les choses du royaume. C'est comprendre par le cœur les choses du royaume. Alléluia. Amen. Nous sommes nés dans ce monde des pécheurs. Personne ne peut nous prouver le contraire. David a dit, Daoud a dit, j'ai été conçu dans le péché. Avec cette nature-là, il est Ali. Il est difficile que Dieu traite avec la personne. C'est pourquoi il nous faut naître de nouveau. Que Dieu nous bénisse le chemin. Nous allons d'abord lire dans 1 Pierre. Hier, nous avons beaucoup parlé. On n'a pas beaucoup lu. Nous lisons dans 1 Pierre. Soma Petro wa kwanza. 1 Pierre chapitre 1. Petro wa kwanza sura kwanza. Nous commençons à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'eau, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Voyez, quand nous sommes nés dans ce monde, la manière dont nous vivions, nous qui sommes chrétiens, il y a une différence. Mais avant que nous devenions des chrétiens, avant que nous devenions transformés du paganisme au christianisme, quand nous étions encore païens, la Bible dit ici que nous vivions très mal.
Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et cette manière vaine de vivre, nous l'avons hérité de nos pères. Donc quelqu'un qui est un pécheur, quand il arrive dans ce monde, sa manière de vivre, quand Dieu regarde ça, il trouve que c'est une manière vaine de vivre. C'est une manière maudite de vivre. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Quand nous allons comprendre ça, ça va beaucoup nous aider à comprendre l'œuvre du calvaire. Aujourd'hui, pour vivre dans ce monde, ou faire ce qu'on appelle la vie, lorsque quelqu'un a de l'argent, il faut qu'il boive la boisson enivrante. Et quand il s'enivre, il sait maintenant qu'il est en train de vivre. Si quelqu'un ne boit pas, il devient malade. On le taxe d'un anormal. On le taxe d'un fou. Puisque la vie selon le monde, c'est s'enivrer. La vie selon le monde, c'est faire la prostitution. Avoir beaucoup de femmes. Et toutes ces choses-là que vous connaissez. Mais selon Dieu, ça c'est une manière désordonnée de vivre. Ce n'est pas une façon correcte de vivre. Et même quand la colère de Dieu va s'abattre sur l'humanité, c'est contre ces choses ici. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il vive en désordre. Dans l'ivresse, dans l'impudicité, dans les débauches, ce que nous voyons les gens en train de faire sur les Facebook, et les WhatsApp. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Quand les gens vivent comme ça, ils sont en train de montrer qu'ils sont sous la puissance du diable. Puisque la Bible le témoigne, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais pour que vous soyez vraiment en dehors de cette puissance-là, vous soyez exempté de cette puissance du diable. Vous avez besoin de croire la parole de Dieu. Mais celui qui n'a pas la parole en lui, qui qu'il soit, même s'il est président, même si qui qu'il soit, aussi longtemps qu'il n'a pas la parole de Dieu, la personne est sous la puissance de Dieu. Vous allez voir ça par les actes que la personne est en train de faire. Que Dieu nous bénisse le chemin. Le monde entier sous la puissance du diable. Et quand quelqu'un vit comme ça, la vie qu'il mène, c'est une vie qui est vaine. Il n'a pas de valeur devant Dieu. Mais par le sang précieux de Christ, nous avons été rachetés comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous allons au verset concerné ici, 23e verset. Puisque vous avez été régénérés, il est parlé de nous les chrétiens ici. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ah, la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait passer d'un état qui n'était pas bon vers un autre état que Dieu a apprécié. Amen. Amen. Il nous a racheté de la manière peine de vivre. Comme des païens. Dans cette condition, on ne pouvait pas voir Dieu. Dans cette condition, on ne pouvait pas expérimenter toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi l'enlèvement n'est pas pour les païens. L'enlèvement, c'est pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Toutes les promesses divines ne sont pas pour les païens. C'est pour les chrétiens. Dieu Christo. Parce qu'ils sont agréables devant Dieu. Dieu va Christo, il va Dieu les a passés d'un état qui n'était pas correct vers un autre état que Dieu a apprécié. Mais il est dit dans cet autre état que Dieu a apprécié, Dieu nous a régénérés. Quand vous consultez le dictionnaire, régénérer, c'est-à-dire engendrer.
kuzala upya. Alléluia. Dieu a fait de nous ses enfants. Mungu anatufanya sisi kuwa watoto yake. Nous avons accès à une nouvelle nature. Na kwako sasa na bahati ya kupata ko ali mpya. Cette nature nous permet maintenant de comprendre tout est dans la volonté de Dieu. Même quand la parole est prêchée, puisque Dieu vous a déjà régénéré, il vous a déjà transformé, il vous a déjà engendré, quand la parole est prêchée, vous êtes à mesure de la comprendre sans difficulté. C'est la nature qui vous permet de comprendre. Amen. Amen. Notre Dieu est très bon. Mungu wetu ni mwema kabisa. Je sais que Dieu est en train de faire. Kile Mungu anafanya katika batoto yake. Mais quand vous lisez dans Ezekiel chapitre 36, nous avons lu hier. Mwene tulisoma jana. Dieu nous fait une promesse. Mungu anatupatia ko malako. Il dit, anasema, je vous donnerai un cœur nouveau. Anipatia moyo mupia. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Anipatia tena roho mupia. Ça c'est la promesse que Dieu fait à ses enfants. Yini malako ile Mungu anapatia watoto yake. Donc Dieu ne peut pas nous donner un cœur nouveau. Mungu hawezi kutupatia moyo mupia. Alors que nous avons un cœur ancien. Wakati ile tuko na ile moyo wa zamani. Le cœur nouveau. Ki moyo mupia. Va remplacer le cœur ancien. Itakuwa kikala pa fasi pale palikuwa moyo wa zamani. Et dans cette même écriture. Na mwila ndiko moyo moyo. C'est que le cœur ancien là. C'est moyo ile moyo wa zamani. Il est comparé au cœur de alinganishwa na moyo wa jiwe. Alléluia. Amen. Et tous nous comprenons que la pierre, na sote tunaelewa kusema jiwe, c'est quelque chose qui représente l'incrédulité. Kitu kile kikunaonesha kutokuamini. Comme la pierre est dure, na vile jiwe ni mkali, de la même manière, na mna moyo moyo, quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, mtu asipokujua kama Kristo, quelqu'un dont le cœur n'est pas encore transformé, mwenye moyo hayabadilishwa kamwe, quelqu'un qui n'a pas encore subi la puissance de Dieu qui est dans la parole de Dieu, mtu ule asia onja uwezo ya Mungu kumneno lako cha kubadilisha moyo wake. Semblable à de la pierre. Inalinganishwa na jiwe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 3, quand Jean-Baptiste prêchait, il disait aux gens, ne vous contentez pas de dire que nous avons Abraham pour père. De la même manière, ils aussi nous dire ce soir, nous ne pouvons pas nous contenter à nous consoler, à dire à nous-mêmes, nous sommes du tabernacle, nous avons cru le message. Il y a mini ujumbe wakati ya mwisho. C'est très bien. Ni mzuri kabisa. Mais ça ne suffit pas. Lakini ila yene. Alléluia. Amen. Mais nous devons produire les fruits dignes de ce message. Nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et qui est très important. Puisque quelqu'un qui était un pécheur, lorsque il devient converti, il expérimente la repentance. Dieu attend voir dans la vie de cette personne les fruits de la repentance. Maisha ule mtu matunda ya toba yake. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Hii ni lazima kabisa. C'est très important. Ya lazima. Nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Napasa kutoa matunda yenye kustahili toba yetu. Nous devons produire des fruits dignes. Napasa kutoa matunda yenye kustahili de notre foi. Ya imani yetu. C'est par ces fruits qu'on va nous reconnaître comme des véritables enfants. Ni matunda batakutambua kuwa ba Christian ba kweli. Et même c'est par ces fruits qu'on reconnaîtra que nous avons subi la transformation. Ni kupitia ile matunda batatambua kusema hakika tulionja kubadilishwa kwa kweli. La transformation issue de la puissance qui est dans la parole de Dieu. Kubadilishwa kwenye kutoka ku uwezo yenye kwa msauti ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki kwa utele. Et que non, Dieu peut susciter de ses pierres des enfants. Mungu anaweza kutosha kutokea imawe batoto kwa Ibrahim. Donc ces gens qui étaient là, les pharisiens qui étaient là. Ba farisayo wale walikuwa pale. C'était des incrédules. Ilikuwa ni bato kwa mimi. Les gens qui ne croyaient pas la parole. Mais tout est possible à Dieu. Lakini yote inawezekana kwa Mungu. Dieu était à mesure de changer ses enfants là-bas. Mungu alikuwa mkiwango kubadilisha watu wake pale pagano. Il avait des cœurs de pierre. Wale walikuwa na mioyo ya mawe. Changer. Kubadilisha. On leur donnait le cœur de chair. Wapatia moyo wa munofu. Vous comprenez que le cœur de chair. Unaelewa moyo wa munofu ni nini? Le cœur de pierre. C'est que moyo wa jiwe. Il est transformé. Kubadilishwa. En celui de chair. Ile moyo ya mwili ya munofu. Le cœur de chair. Moyo wa munofu. Tu peux imprégner facilement la parole de Dieu. Il est apokea kwa upesi neno. Alléluia. Amen.
Quand Dieu veut nous sauver, il ne commence pas d'abord par transformer ses corps. Dieu ne voit pas comme ça. Mais le diable est très malin. Il veut d'abord changer le corps des gens. Il veut apparaître le corps très beau. Avec des lotions. Attirer l'attention des gens. Ça, c'est une inspiration diabolique. Mais notre Dieu, lui, il veut d'abord commencer par nous transformer à partir de l'intérieur. Dieu a besoin de nos cœurs. Il a besoin de transformer nos cœurs. Pour qu'il fasse nos cœurs. Pour qu'il fasse nos cœurs. Son habitation à lui. C'est pourquoi Dieu disait. L'homme selon mon cœur. Le pasteur avait prêché ça dernièrement. Dieu ne regarde pas ce qui brille. Non. Dieu regarde à partir du cœur. C'est pourquoi cette promesse est très capitale. Ôter de nos corps le cœur de pierre. En d'autres termes, remplacer le cœur ou transformer le cœur de pierre. Celui de chair. Mettre à nous un esprit nouveau. Et ce qui permettra à Dieu maintenant d'opérer avec nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui ont une apparence bonne. Une apparence qui brille. Mais le cœur qui est le moteur a déjà vieilli. Dieu ne va pas vous utiliser. Je crois que même pour donner des dons aux gens, Dieu les livre à partir du regard dans le cœur des gens. Même pour donner des responsabilités aux gens, Dieu regarde à partir du cœur des gens. Vous allez vous rappeler, lorsqu'il fallait lire le roi, puisque le cœur de Saül ne plaisait plus à Dieu, Dieu a commissionné son serviteur. Il vend dans la maison de tel monsieur. Là, tu vas vendre quelqu'un que moi je trouve qui doit être le roi. C'est cette histoire-là. Élie, le prophète. Samuel, c'est Samuel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il est allé dans la maison du père de David. Alenda nyumbani ya mzazi yake ya Daudi. Quand il est arrivé là, wakati alifika kule, il a dit pourquoi il était allé là. Anasema kenya alitembelea. Il dit fais venir tes enfants. Sema ita batoto yako bakuja hapa. Lorsque les enfants venaient, wakati batoto yake walikuwa nakuja. Le premier, il était très très beau. Wa kwanza alikuwa mrembo kabisa. Il méritait selon le regard de Jean. Alistahili kufuatana kuangalia kwa watu. Être le roi. Kuwa mfalme. La nation. Ya taifa. Et le prophète Samuel. Na Nabi Samuel, il était conduit à vendre cet homme-là. Mais Dieu était intervenu. Il dit, anasema, ne prends pas garde, bien ne fais pas attention à son aspect. Moi, Dieu, je ne garde pas l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Celui-là, moi, je le rejette. Vous comprenez ça? On a appelé le deuxième. On a appelé le troisième. Et tous les enfants étaient disqualifiés. Moi, je crois que Dieu les avait disqualifiés. Puisque leur cœur n'était pas plaisant à Dieu. Mais quand on a fait venir David, il n'était rien. Il était petit. Dieu a dit au prophète, c'est celui-ci. Il mérite d'être roi. Tu vas le vendre. Vous voyez, donc Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi chaque sœur qui est ici, chaque sœur qui est ici, chaque frère qui est ici, il doit laisser son cœur subir la transformation. Vous devenez semblable à Dieu. Amen. Amen. Même si vous n'avez pas d'habit, mais lorsque votre cœur est déjà transformé, vous plaisez à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous plaisez à Dieu. Même si vous avez beaucoup d'habit, vous avez beaucoup de moyens, vous êtes riche, mais votre cœur n'est pas encore transformé. Vous ne plaisez plus à Dieu. Vous le comprendrez avec le temps. La puissance de Dieu pour transformer. Que Dieu vous bénisse richement. Mais je suis allé vite dans le
vif du sujet. Lakini minenda kabisa kabisa mu shaba ya siku. Et pour comprendre encore bien les choses. Dieu a kuelewa mzuri bitu. Nous pouvons encore voir cette transformation. Mais atena kuona ile mabadiliko. Comment est-ce que Dieu a agi? Comment est-ce que Dieu a agi? Namunaka ni Mungu alitenda. Il a transformé le monde. Alibadilisha dunia. Depuis le livre de Genèse. Ya kitabu ya mwanzo. Et vous allez comprendre que Kaelewa kusema Dieu agit toujours de la même manière. Niko natenda kila mara mnamuna moya. Alléluia. Amen. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Lui, il a la puissance de transformer. C'est-à-dire, faire quitter d'un état peut-être qui n'est pas bon, faire un état qui est bon, comme la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre qui a la puissance de déformer. Celui-là, c'est le diable. Dieu est là pour nous transformer. Des païens en chrétiens. Alléluia. Amen. Mais le diable, lui, est une puissance pour déformer. Est-ce que les deux puissances sont côte à côte? Si vous n'êtes pas sous la puissance de Dieu, vous êtes transformé en fils de Dieu. Alors vous êtes sous la puissance du diable. Quand vous êtes déformé, c'est la vérité. Amen. Regardez les gens qui ne croient pas la parole. Vous qui avez déjà écrit la parole, vous allez voir que même physiquement comme ça, le diable a beaucoup travaillé avec ces gens. Puisque ces gens ont laissé les diables les héberger pendant longtemps. Ils sont devenus déformés. Si ce sont des femmes, vous allez les voir vieillir même au visage. Je me rappelle un témoignage. Ce témoignage. Il y avait une femme qui était musicienne. Elle chantait beaucoup pour les morts. Elle dansait. Et elle faisait tout. Mais Dieu lui avait fait grâce. Et elle avait cru le Seigneur. Bien qu'elle avait cru le Seigneur, elle était sauvée. Mais chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle regrettait. Puisque le péché a laissé des cicatrices même à son visage. Elle disait, quand je regarde les autres soeurs, elles sont naturelles, leur visage est bon, il n'y a pas de cicatrices de péché. Mais mon visage à moi présente des cicatrices. Oui, mon frère. Quand vous laissez le diable héberger à vous pendant longtemps, il va vous déformer. Vous voyez des gens. Ils ont même changé le visage. Puisqu'ils ont beaucoup pris de l'outoukou. Commence même à vieillir. Commence même à perdre la santé. Les joues commencent, je ne sais pas. Vous voyez ça? C'est quoi ça? Les gens sont déformés par le diable. Même si vous avez le même âge que. Il y a une différence. Il dira. Vous paraissez encore trop cher. Vous avez le même âge. C'est quoi ça? Ils ont subi une puissance de déformation. Alléluia. Amen. Ça peut se faire dans le physique comme ça. Et même dans le spirituel. Lisons d'abord dans Genèse. Nous reviendrons à ceci. Genèse chapitre. Nous sommes au chapitre 1. Mwanzo sura kwanza. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mwanzo Mungu akaumba mambingu na dunia. La terre était informe et vide. Donc ilikuwa bila kitu na bila umbo. Alléluia. Amen. Voyez quand Dieu avait créé la terre. Unaona wakati Mungu aliumba dunia. Dieu avait créé les cieux. Mungu aliumba mambingu. Lorsque vous descendez là, kishuka chini kule, vous comprendrez comment est-ce que Dieu avait créé ça. Naelewa namna kali Mungu alibiumba. Amen. Amen. Il a créé la terre. Aliumba dunia. À partir des eaux. Tokea maji. Et quand il a créé la terre à partir des eaux. Kati aliumba udongo kutokea ile maji. Il y avait des semences de toutes espèces dans la terre. Kulikuwa mambeko ya kila aina mudongo. C'est pourquoi Dieu avait dit. Ndio maana Mungu alisema. Que chaque semence. Hivi mbeko yote. Se reproduit selon son espèce. Ipate kuzidishwa wala kutoa kufuatana na hali yayo. Pour que la terre. Ili udongo. Produise. Ipate kutoa. Des arbres. Miti. Selon leur espèce. Kufuatana na hali yayo. Il ne pouvait pas y avoir des arbres. Upasa kuwa miti. Sans semence qui produise les arbres. Bila mbeko ya kutoa miti.
Amen. Amen. Donc Dieu avait créé la terre. C'est que Mungu aliumba udongo. À partir des eaux. Toki amaji. Et même les eaux. Na hivi maji. C'est Dieu qui avait créé. Mungu aliumba yote. Il n'y avait rien. Akukua kitu. Il a appelé toutes les choses à l'existence. Anaita bitu biote mkuonekana. Et il a fait ça par sa parole. Na anabifanya biote bila kupitia neno lake. Quand il a terminé à créer la terre. Wakati alimaliza kuumba udongo wala dunia. Bien aimé frère. Banduki yangu bapendo. Dieu est assez puissant. Mungu eko na uwezo kabisa. C'est pourquoi tout est possible. Dieu kwa maana yote inawezekana kwa mwenye anaamini. Alléluia. Amen. Le grand Dieu. Mungu mkuu kabisa. Il a créé la terre. Aliumba udongo. Il n'y avait rien. Akakuwa kitu pa dunia. La terre n'avait même pas de forme. Udongo haikuwa hata na umbo. La terre était cuneiforme. Sema dunia ilikuwa bila umbo. Vous pouvez regarder ça. Unaweza kuangalia ile. Et ne pas déterminer la forme de la terre. Na bila tu kutimiza hali yayo dunia. Nous disons amen puisque c'est la Bible qui le dit. Tunasema amen na juu ni Biblia inaishuhudia na kusema. Qui est là? Nani alikuwa pale? Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu alikuwa pale sam shuhuda. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alikuwa anatembea juu ya maji. Moïse qui a écrit ça. Musa mwenye aliandika hii. Était inspiré. Alikuwa mwenye kuvutwa. La terre était sans forme. Sema dunia ilikuwa bila umbo. Non seulement sans forme. Haina tupaka bila umbo. Il n'y avait encore rien. Lakini tena pakukua kitu. Alléluia. Amen. Mais tout ce que nous voyons maintenant ici, yote yetu kunaona pa sasa, les arbres, miti, dont nous mangeons les fruits, yetu kunakula matunda, mangie, miti ya maembe, orange, miti ya ma orange. Tout ce que vous connaissez, yote yetu najua, selon leur espèce, kufuatana na matokeo ya wala ma hali hayo, la semence de ces arbres ma mbeko ya ile miti était enfoui dans la terre. Ilikuwa yenye kujikwa mudongo. Amen. Amen. À un moment donné, wakati liopewa, Dieu maintenant, comme le grand créateur, Mungu sa mumbaji mkuu, s'était proposé maintenant d'embellir. Alibeba sa, d'embellir la terre. Alibeba sa muziku wa kupamba dunia. De transformer en d'autres termes la terre. Mutamko wengine apate kubadilisha dunia. Il était sans forme. Ilikuwa bila umbo. Et qui n'avait rien. Ila ikukua na kitu. La première des choses à créer, kitu ya kwanza kukuumba, c'était la lumière. Ilikuwa ni nuru. Il dit que la lumière soit. Akasema nuru iwe. Et la lumière fit. Na nuru ikafika. Est-ce que vous pouvez vous représenter la grande puissance de Dieu? Eti mnaweza kuchunguza uwezo mkubwa ya Mungu? Quand Dieu dit quelque chose, wakati Mungu anasema kitu fulani, cela doit s'accomplir. Itatimizwa. Amen. Amen. Je ne sais pas il s'était passé combien de temps. Sijui ni miaka ngapi ilipitikana. Que la lumière apparaisse. Ili nuru ipate kuonekana. Dieu l'avait dit. Lakini Mungu alisema la lumière était apparue. Nuru ilionekana. Il est dit ici. Nasemewa hapa. Dieu avait séparé la lumière des ténèbres. Mungu alitenganisha nuru na giza. Il y a matin. Kunakuwa mchana. Et il y a soir. Kulikuwa mangalibi. C'était le premier jour. Ilikuwa ni siku ya kwanza. Dans la création déjà. Maumbile ya bato. Nous pouvons voir la puissance de Dieu. Tunaweza kuomba kuona uwezo ya Mungu. Amen. Amen. Le deuxième jour, kitu, siku ya pili, il a créé encore. Akaumba tena. Le troisième jour, siku ya tatu, il a créé encore. Akaumba tena. Mais vous allez voir, mutaona, à la fin de la création, la terre qui était créée, dunia yenye iliumbwa, qui n'avait rien, ila ikukua na kitu, qui n'avait pas de forme, ila ikukua na umbo, mais Dieu maintenant avait donné la forme à la terre. Mungu sasa alileta umbo ku udongo wa madunia. Alléluia. Amen. Les hommes de science, baadhi ya elimu, ils disent que la terre a la forme ovale. Banasema kwamba dunia kuna hali sariai, yariai, la forme ronde, hali ya mviringo. Mais selon la Bible, lakini kufuatana na Biblia, on dit que la terre présente les quatre coins. Banasema dunia ina inaonesha mangambo ine. Que la terre soit et la forme ovale, dunia hii hata na umbo ile aliyai, ou que la terre présente les quatre coins, ne pate kuonesha mangambo yote ine. Mais ce qui nous intéresse, si yeye kwa lazima kwetu sasa hapa, la terre n'avait pas de forme, dunia ikukua na umbo, Dieu avait donné la forme à la terre. Mungu alipatia umbo ku dunia. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'arbre. Akukua majani. Il n'y avait pas d'animaux. Akukua banyama. Tous les animaux que vous voyez. Banyama bote mko naona. Selon leur espèce. Kufuatana na mahali yabo. Hippopotame. Kiboko. Le crocodile. Bamba. L'éléphant. Tembo. Tous ces animaux là que banyama vous voyez. Bote benye mko naona. Dieu les avait créés à partir de la terre. Mungu aliba umba kupitia udongo. Ici nous pouvons voir comment est-ce que Dieu a transformé la terre en un jardin. Hapa tunaweza kuona namna Mungu alibadilisha ile udongo ku busani. Et ce jardin fut appelé le jardin d'Eden. Na ile busani iliitwa shamba la Edeni. Amen. Amen. Où c'est en un paradis. Voilà paradiso. Ah, un endroit où il faisait beau vivre. Parce qu'il kwa mwema kuishi. Et c'est comme nous avons notre pays. Ça veut dire que nous avons nous habitons notre pays. On a ici mouji yetu. Mais il doit y avoir aussi un quartier général. Ici tu n'as pas ça qu'on a quartier général. Où réside le président? Où kuna keti résidence. Là, il est plus embelli que les autres régions. Il est facile de vous tenir les autres habitants qui sont dans ma face ingénie.
Kinshasa. Kinshasa. De la même manière. Munamuna moya moya. Tout ce que le diable est en train de faire. Le Satan il avait triché ça au ciel. Alibi ayo tu kuangalia kubile bilikuwa kumbingu. Le diable n'a pas des originaux. Satan n'a bintu des originaux. Il n'a que des imitations. Il n'a la bintu ya kuibia ya kufanisha. Il n'a que des perversions. Il n'a la bintu ya kuharibisha. Alléluia. Amen. Dieu a créé la terre. Mungu aliumba udongo juu ya mutu. Il a embelli. Akaipamba. L'homme pouvait être sous l'arbre. Les aquatini ya muti. Et sentir la fraîcheur de la brise, en train de caresser son corps, et il trouvait que c'était très bon. En mettant en communion avec les animaux, et c'était bon. Mais il a préparé aussi Adam un quartier général. Et ce quartier général là, c'était en Éden. Alléluia. Amen. Donc, dans le chapitre que nous venons de lire ici, vous voyez que Dieu a appelé à l'existence toutes les choses qui existent. Il les a créées par sa parole. La parole de Dieu en elle, il y a une puissance créatrice. Alléluia. Amen. Puisque la parole c'est une semence. Sauti ya Mungu ni mbeko. Quand nous disons une semence, tunasema mbeko. Il y a la vie. Muko uzima. Et cette vie, ale uzima, c'est une puissance. Uwezo. Elle doit finir par se manifester. Inapasa kufika paka mukoonekana. C'est pourquoi quiconque est exposé à cette puissance là, yote mwenye kwa mbele ya ile uwezo, doit subir la puissance ou la transformation de cette parole. Anapasa kuonja uwezo wa mabadiliko ya ile neno. De la même manière que la terre était transformée en paradis. Unamuna mwa udongo ilibadilishwa kuwa paradiso. C'est la même puissance qui a créé toute chose. C'est la même puissance qui nous crée quand nous venons à lui. C'est pourquoi le christianisme c'est une vérité. Amen. Ce n'est pas un simple fait de venir à l'église. Moi j'ai toujours été contre ces choses là. On ne veut pas ici soutenir un mouvement. Non, non. C'est une réalité. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Oui. Quelqu'un qui vient à Christ, oui, on ne doit pas laisser la même personne. Non. Si déjà au départ, au commencement, nous avons vu comment est-ce que Dieu a transformé la terre en paradis. Comment est-ce qu'il peut vous échouer, vous autres, à vous transformer du païen que vous étiez en chrétien? Non, cela n'est pas correct. Que Dieu nous bénisse le chemin. Atubariki kabisa. Nous allons lire un peu dans la brochure ici. Tasoma kwanza mwikartasi. Quelque chose qui va nous aider. Kitu moya itatusaidia. Que l'homme de Dieu a dit ici. Ile mutu wa Mungu alisema humu. Voyons un peu. Tangali kwanza. Nous sommes à la page 6. Ukurasa sita. La puissance de Dieu pour transformer. Et alors, étant son fils ou sa fille, vous faites partie d'elle. Et cela fait de vous une partie de lui. C'est pour cela que nous venons pour communier ensemble autour de la parole de Dieu. Eh bien, ces mots transformés, j'ai consulté le dictionnaire hier. J'ai pratiquement oublié l'heure à laquelle je devais être ici. Alors que je cherchais un texte et j'ai trouvé ces mots, ou ce texte, ou plutôt cette écriture. Et le dictionnaire dit que c'est quelque chose qui a changé. Dictionnaire, ça doit changer. C'est transformé. Badilisha. Rendu différent. Kufanya kuwa tofauti de ce que c'était. Son caractère. Aliyake. Et tout. Na yote. On changé en soi. Binabadilika ndani yake. Transformé. Kubadilisha. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Tunaweza kuelewa hii mambo. Transformer badilisha, veut dire changer en soi. Inaweza kusema kubadilisha mule ndani ya kile kitu kinakuwa kipya. Alléluia. Amen. Rendre différent, kufanya kwa achanisho, par rapport à l'état où était la chose. Kulinganisha na hali ile kitu kilikuwa mozamani. Lorsque nous voulons appliquer ça à nous qui sommes chrétiens, wakati tunapenda kutumikisha hii kwa etu sisi ba Kristo, sasa comprendre que un chrétien, tunaweza kusema mu Kristo, c'est quelqu'un qui est rendu différent. Ni mtu ile banamfanya kwa mwenye kuachana. Amen. Amen. Un chrétien, Christo, c'est quelqu'un qui est changé. Un chrétien, Christo, c'est quelqu'un dont le caractère est transformé. Le caractère que nous avons hérité de nos parents. Amen. Amen. Un mauvais caractère. Il est
transformé par celui qui vient par la parole de Dieu. Il est inatokea sasa kuneno ya Mungu. Et Dieu nous bénisse. Mungu atubariki kwa utele. Et maintenant, comme je disais, notre Dieu, sa parole, c'est une puissance pour nous transformer. Jusqu'ici, chacun peut d'abord s'examiner. Depuis que vous avez écrit la parole, jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez été transformé? Bien, je suis le même Kabangela. Il y a 20 ans. C'est une honte. Tous les efforts qu'ils sont en train de déployer ici, venir écouter la parole, venir prier, c'est rien. C'est de la peine perdue. Cela n'est pas correct. Ça ne va pas m'arranger. Je dois être dans la joie lorsque je réalise un changement radical dans ma vie. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité. Regardez, même les gens du monde disent le temps transforme les caractères. Oui ou non? Oui, oui, c'est la vérité. Lorsque quelqu'un est enfant, il fait les choses comme un enfant. Mais nous n'avons qu'à les patienter. Puisque son caractère va subir des transformations. On va l'amener à l'école. Il va transformer son caractère. Amen. Amen. Il quitte l'école primaire. Il va à l'école secondaire. Il va aux universités. Son caractère il change. Il ne va pas commencer à faire les choses comme il était encore. Il va pas commencer à faire les choses comme il était encore. Malgré ça, il a les péchés en lui. Alléluia. Amen. Si même le temps peut transformer le caractère de quelqu'un, si même le milieu dans lequel nous vivons a de l'impact sur la vie de quelqu'un, les gens disent maintenant qu'il est allé à Kinshasa, il a grandi là-bas, il est influencé par la vie de la capitale. C'est-à-dire qu'on peut voir un changement. Est-ce que vous êtes resté pendant un certain temps dans un certain milieu qui a de l'impact dans votre vie? Que dire maintenant de quelqu'un qui reste très longtemps dans la parole de Dieu et rester la même personne là? Si vous restez la même personne, la même sœur là, honte à vous. Amen. Moi je suis en train de vous décourager ce soir. Vous comprenez pourquoi vous venez écouter la parole ici? Nous venons écouter la parole jour après jour pour que nous devenions meilleurs. S'il faut qu'il y ait des bons maris, oui, c'est nous ici, parce que nous sommes sous la puissance de la parole de Dieu. Les mêmes maris là, depuis que vous étiez marié, je ne sais pas moi, il y a 20 ans, vous n'avez jamais changé. Vous êtes le même mari là. Votre femme est en train de regretter. Vous la tristez chaque jour. Votre façon de faire les choses. Votre façon de vous conduire. La femme regrette. Puisque vous n'avez jamais changé. Le même mari là. Ce n'est pas correct. Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Amen. Amen. La même sœur là. La même femme là. Que le frère avait épousé. Jour après jour, vous ne faites que chagriner le cœur. Mais comme il ne sait pas vous mettre à la porte, il dit c'est un fardeau. Je vais laisser ça qui. Mais jour après jour, vous ne faites que du mal à votre mari. Faites que les blessés, alors que vous écoutez la parole de Dieu. Non. Votre mari doit avoir un changement en vous. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? S'il n'y a pas de résultat, restez à la maison. Amen. Amen. Ça ne vaut pas la peine de venir ici. Ça ne vaut pas la peine. Vous êtes en train de faire des aventures.
Vous êtes dans les mouvements. Vous attendez seulement les jours où vous allez mourir. Que l'église vous plaît. Oui, oui, on va vous plaire. Le pasteur va ordonner, on va payer les cercueils. Mais dans votre condition là, vous ne verrez jamais le Seigneur. Parce que votre cœur n'est pas pur. Verrez ceux qui ont le cœur pur. Arriveront le Seigneur. Verrez ceux qui ont le cœur nouveau. Le nom de Dieu est à eux. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à une transformation. Dieu de caractère. Dieu attend voir en nous un changement. Et Dieu nous bénisse richement. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a terminé à transformer la terre, il a embelli ça. Il a fait ça pendant 6 jours. Prophétiquement parlant, on dit il a créé, il a transformé la terre pendant 6000 ans. Nous pouvons comprendre qu'il a plus du temps. Dieu, il pouvait faire ça même en un seul jour. Mais si il a fait ça pendant beaucoup de temps, c'est pour nous faire voir que la chose que Dieu a terminée, a achevée, a créée, est d'une grande valeur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le diable n'est pas bon. Le diable n'est pas bon. Il est méchant. Les joyaux que Dieu a donnés à l'homme. Les joyaux que Dieu a préparés. C'était le paradis. Il quoi le paradis? Dieu a pris beaucoup de temps pour travailler ça. Mais le diable est venu. Et dans peu de temps, il a changé les choses. Il est venu en qualité de la puissance de déformation pour pervertir tout ce que Dieu a créé pour l'homme. Amen. Vous savez comment cela est arrivé? Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 3. Le diable, Shetani, il est arrivé dans le jardin. Il s'est approché de la femme. Il ne pouvait pas s'approcher de l'homme. Puisque l'homme, c'était le produit original. Le diable savait que l'homme lui résisterait. Mais il est entré par les côtés faibles. Et les côtés faibles, c'est la femme. C'est comme nous pouvons voir aujourd'hui. Lorsque quelqu'un veut atteindre le mari, puisque il a un problème, Dieu, on dit il faut entrer par sa femme. Quand il entre par sa femme, la femme maintenant va parler à son mari. Écoute chérie, il y a tel monsieur qui est venu, il est en train de souffrir chez lui, il a besoin de l'emploi, la femme va plaider, et le mari dans son amour, il devient faible. Donc le côté faible, c'est que Satan est entré. C'était la femme. Il quoi ni bibi wala mwanamke. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu a nini? Puisque c'était un sous-produit. Dieu lui quoi ni ka tokeo kale katini. La femme ne faisait pas partie de la création originelle. Mwanamke shukwe tu utele ya maumbile ya original. Et pour cette raison, Dieu a ile sababu Dieu n'a pas permis à la femme de se tenir devant la chair. Mungu akuruhusu mwanamke asimame mbele ya mimbali. Prêcher la parole. Dieu akubiri neno. Ne ya mwe. Lakini, il a droit au neuf dons de l'esprit. Anastaili na kupata ako ma zawadi kenda yo. Les dénominations sont dans des confusions. Azebu kumuvuruko. Elles permettent même des femmes pasteurs. Biko na rusu banamke ba bachungaji. C'est contre la parole de Dieu. Lakini ni tofauti na neno la kinyume. Ça c'est l'ordre de Dieu que nous devons respecter. Ini il n'est pas dit que la femme n'est pas mesure de lire la Bible. Si elle est allée à l'école, elle sait lire. Elle peut prendre la Bible, préparer ce qu'elle veut préparer, exposer ça devant les gens. Parce qu'elles vont déjà à l'école. Amen. Mais comme c'est l'ordre de Dieu, on doit respecter ça. Le diable est entré par la femme. Shetani alingia kupitia mwanamke. La femme a commencé par semer les doutes. Le diable a commencé par semer les doutes dans la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tout le fruit des arbres dans le jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas dit ça. Dieu lui a dit, vous mangerez de tous les arbres
Ils sont dans les jardins. Mais le diable est venu. Satan a nakuya. Il dit. Dieu a-t-il dit? Et si Mungu aki kalisema. Vous ne mangerez point. Amutakula kamwe. Oui. Donc le diable est allé à faire raisonner la femme. C'est que Satan kuwaza waza. C'est pourquoi il dit. Nous devons être vêtus de toutes les armes de l'esprit. Tu n'as pas ça pour vivre quoi, masila yote yaro. Tête. Doivent être protégés. Par le casque. Et le casque du salut. Quand le diable descend dans votre tête. Pour vous faire raisonner. Vous allez le vaincre par la foi. Tu n'as pas ça pour mourir na imani. Ce jour-là, il est sûr. Elle avait manqué de porter le casque du Saint. Il a accordé son attention au diable. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous a prêché. Jésus-Christ est le seul que nous devons écouter. Amen. Si nous l'écoutons, nous gardons la communion avec notre Dieu. Si Eve avait écouté notre Seigneur, avait gardé cette parole, avait résisté au diable. Il n'aurait pas eu de décès comme nous en avons maintenant. Il n'y aurait pas de mort comme nous en avons maintenant. Alléluia. Amen. Et a commis une très grosse erreur. Awa, alifanya kosa mkubwa kabisa. Il a prêté l'oreille. Il a prêté l'oreille. Et quand il a cru les mensonges du diable, c'est comme ça que le diable a réussi à déformer la terre qui était transformé en paradis. Jusque maintenant, le diable est en train de vrai pour déformer la terre. Amen. Amen. Puisque la terre que nous sommes en train de vivre n'est pas dans la même condition où Dieu l'avait. Que Dieu vous bénisse richement. Pour terminer, nous sommes dans Jean chapitre 5. Nous lisons ceci. Jean 5. Un Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura 5 verset 19. Sura 10 na 9. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous l'emprise du malin. Ça, c'est la révélation que Saint Jean a eu. Depuis que le péché était entré dans le monde, le monde entier est sous l'emprise du malin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le monde? Il est en train de les déformer. Il est en train de les pervertir selon son goût. Alléluia. Amen. Et il essaye d'embellir cette terre selon son goût. C'est ainsi que ce monde qui est perverti est embelli par la sagesse du monde. Est embelli par l'intelligence selon le monde, alors que la civilisation et la sagesse selon le monde, tout ça, ça vient du diable. Mais si nous le disons, parce que nous avons la révélation et nous croyons que c'est la vérité. Amen. Amen. Bien que le monde a mis à notre disposition des véhicules, des moyens de transport, des moyens de communication, nous vous disons clairement que tout ça, ça vient du diable. C'est comme ça que le diable est en train de déformer le monde. Puisque dans le jardin là-bas, dans le paradis, Adam n'avait pas besoin de véhicule pour se promener. Adam a pourquoi il pas de gari. Il était dans une théophanie qui pouvait lui permettre d'être à Kinshasa en Amérique. Il n'avait pas besoin de moyens de transport. Le péché, c'est une très mauvaise chose.
Alléluia. Amen. Maintenant aujourd'hui il y a des concurrences. Allez au coucou, kujiwina, kujibecha. Puisqu'il y a toutes les œuvres d'invention. Tu m'attends de télébattre maintenant. C'est le produit de la jalousie. Ni toke tu y abuivu. On peut inventer une marque d'avion. Mais ça fait qu'on a ndeke. Quelqu'un d'autre vient. Mwine na nakuya. Que non, cette marque n'est pas présente de défaut. On a sema hi kuyambaya. Il n'y a pas de performance. On a tout kutengeneza kuzuri. Par jalousie. Na kupicha tu buivu. Il est inspiré. Anavuto. Il invente aussi une autre marque. Afanye na ndeke na mune ngine ya kushindia ile. Amen. Amen. Tous les produits de la science. Batunda ya elimu, les résultats de la jalousie. Ni matokeo tu ya buivu. Et la jalousie ya buivu ne vient jamais de Dieu. Aitoke kamwe kwa Mungu. La jalousie vient du diable. Buivu natokea kwa shetani. Et ce monde qui est déformé. Na hii dunia yenye kuharibishwa. Plein de la jalousie. Ikutele kabisa kwa buivu wala chuki. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Maintenant vous, c'est à vous de voir. Samoni kwenu wa kuchunguza. Vous êtes sous quelle puissance? Uko chini ya uwezo kani? Si vous êtes sous la puissance de Dieu. Chini ya uwezo wa Mungu. La puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu. Doit vous transformer. Na pasa kumibadilisha. Ni nouvelle créature. Mukiumbe kipya. Il est un enfant de Dieu. C'est que kuwa mtoto wa Mungu. Amen. Amen. Mais si vous êtes sous la puissance de diable, c'est-à-dire que vous serez déformé. C'est que mutaribishwa. Et quand on dit déformé, anasema kuharibisha. Vous perdez certaines qualités par rapport à votre état originel. Unapotesha mabei wala mahali ya mzuri kufuatana na hali yako ya kuumbwa. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. J'invite le pasteur pour nous conduire dans la rue. Nalika mchungaji wa kuja mabudu. Uzima. Et cette vie là, elle est uzima, c'est une puissance. Ni uwezo. Vous gobez seulement cette vie. Ouais, mais à tout il est uzima. Ça va, Germain. Itaota. Avalez. Baiser. Cette parole que vous venez d'entendre. Il est néanmoins toi qui a aussi kia. En elle il y a la vie. Dani a yomko uzima. Cette vie là, c'est une puissance. Il est uzima ni uwezo. Si vous Amen. Avez cette parole dans votre âme, quand c'est la parole de Dieu qui enferme en elle la vie, il est la fiche en dani yake uzima, elle va éclore en toi. Et ça va transformer votre être. Vous passez d'une forme à une autre. C'est très important. C'est ça la vie chrétienne. Injo maisha ya Kristo. Nous venons ici pour ça. Tunakuja hapa juu ya ile. Et nous devenions de nouvelles créatures. Ili tupate kuwa biumbe vipya. Vous savez, unajua chaque semence, kila mbeko qui n'est pas exposé au rayon solaire, ile aina mbele ya kuangala kwa jua, ne germera jamais. Aita utaka kamwe. Dieu a toutes les facultés. Mungu eko na manamuna yote. Vous prenez sa parole. Beba neno lake. Lui-même cette chaleur. Ye mwenye na ye kivutu yake. Il vient éclairer cette semence en vous. Anakuwa kuweka wazi kuangazia ile mbeko ndani yenu. Ça va éclater. Itawaka. Et quand ça pousse, na wakati naota, vous sentirez un changement en vous. Utasikia mabadiliko fulani ndani yenu. Croyez la parole. Mwamini neno. Il est dit dans Romains. Disons un peu dans Romains. Hein? Tuseme kwanza mu Warumi sura kwanza. La puissance de Dieu pour transformer. Uwezo wa Mungu juu ya kubadilisha. Ce n'est pas une puissance pour ne pas transformer. Ndio haina uwezo juu ya kuacha kubadilisha. Ça doit transformer. Inapasha paka kubadilisha. Romains chapitre 1, Warumi sura kwanza, verset 15. Musara 15. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Hivi niko na kutaka kwa kabisa kwa upana kumitangazia injili. A vous qui êtes à Lualaba. Kwa mwebe yekua Mulualaba. Enlevons Rome là-bas. Tutoshe po Roma hapa. Ome Lualaba. Yeke po Lualaba. Et celui qui dit ici, na wala nasema hapa, c'est Paul, ni Paulo, mais ce soir, lakini mangaribi, c'est frère Kaba, ni nduku Kaba. Car, maana, je n'ai point honte de l'évangile. Sina na aya ya injili, c'est la puissance de Dieu
ni uwezo ya Mungu pour le salut juu ya wokovu de quiconque croit. Wokovu ya yeyote mwenye anaamini. L'évangile est une puissance. Injili ni uwezo pour quiconque croit. Juu ya yoyote mwenye anaamini. Si nous ne voyons pas une transformation en vous, kama tuone mabadiliko ndani yenu, donc vous ne croyez pas l'évangile de la puissance. Ce qui a mwamini injili ya uwezo. On ne peut pas chercher de midi à 14. Hata tafuta kwanza asubuhi na magharibi. Donc, quand tu vois un frère qui ne change pas, ne te casse pas la tête. Et n'a pas crié à la parole de l'évangile. Que ce soit une sœur, même des prédicateurs, qui ne se comportent pas comme des prédicateurs, ils n'ont pas reçu l'évangile. Puisque la transformation n'a pas de limite. C'est pour quiconque croit. Regardez cette puissance. On nous dit que la terre était informe. La forme qui a la terre aujourd'hui. Tu marches, tu regardes que c'est plat. Tu sais comment c'était au début. La forme que vous voyez, c'est la parole de Dieu qui l'a rendu. Ni sauti ya Mungu inaifanya kuwa hivi. Si cette puissance là, kama ile uwezo, avait la capacité, ilikuwa na kiwango, de donner la forme à la terre, ya kuleta umbo wala kuonekana kuzuri kudunia, il n'y a pas même de vie. Pale hapana uzima. Qu'en est-il de nous? Namuna kani kwetu sisi? La même puissance, uwezo moya moyo, agira, itatenda chez tout celui qui croira. Kwa yote mwenye ataamini. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que Dieu bénisse le frère. Mungu abariki nduku. Amen. Je sais que c'est un ministère que Dieu a placé à côté de moi. Na kusema ni huduma ile Mungu aneka pembeni yangu. Si vous avez le discernement, kama mko na utambuzi, vous verrez que lui, mtaona kusema yeye, son ministère, utumishi yake, c'est la sanctification. Ni utakaso. Son ministère, utumishi yake, c'est la perfection. Ni ukamilifu. Et moi, nami, je suis l'évangile. Niko ku injili. Nous nous complétons. Tuko na jiongezea. Les autres ministères, na ima utumishi ingine, viens encore nous compléter. Na ina kwa kutusaidia tena. Si vous n'avez jamais remarqué, kama huyu atambuaga ikitu, je vous le fais voir aujourd'hui. Na nionyesha hiyo leo kwa wazi. L'homme de la sanctification, mtu wa utakaso, c'est le frère Kaba. Ni ndugu Kaba. Que Dieu bénisse son ministre. Mungu abariki utumishi wake. Le frère Linkulu remercie le Seigneur. Kwa Linkulu anampigia Bwana asante. De l'avoir gardé en chemin. Kwa kumchunga njiani. En allant comme en retournant de Lubumbashi. Kwenda sasa mkurudia ku Lubumbashi. Le frère Masoja sollicite la prière des saints. Masoja anahitaji maombi ya watakatifu. Si c'est la volonté de Dieu. Anasema ikiwa mapenzi ya Mungu. Demain il ira au champ. Kesho atenda mashamba. Le frère Kamwingo sollicite la prière des saints. Kwa Kamwingo anahitaji maombi ya watakatifu. En faveur de sa femme et de son bébé qui sont tourmentés par les démons de la tour. Juu ya mke wake na mtoto wake benye kuangamizwa na mademona ya kikozi. Ni nani wa uwezo? Ni Yesu mwana Mungu. Libère ton entendement spirituel. La parole est là. Neno iko hapa. Si vous laissez cela pénétrer, kama mnaacha ile kuingia mupana, vous verrez la réaction de cette puissance. Utaona kutenda kwa ile uwezo. Deviendra un homme nouveau. Utakuwa mtu mpya.
Les choses anciennes seront passées. Bitu ya zamani bitapita. Croyez de tout cœur. Mwamini na moyo wote. Demandez au Seigneur. Ombe Bwana. Dis Seigneur. Mwambie Bwana. Voilà. Tazama. Pourquoi j'étais venu aujourd'hui? Ndio nini nilikuwa leo? Parce que il y avait une parole à me donner. Ndio nilikuwa na neno la kunipatia. Inventaire là où tu es. Fanya uchunguzi pale huko. Tu verras qu'il y a les choses qui clochent. Utaona kusema kubitu abiendeke. Mais la solution est là, c'est. Lakini jibu iko hapa imangaribi ya leo. Dieu nous a vu. Mungu alituona. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Dieu a vu qu'il voulait parler en ce soir. Mungu anaona kusema alipenda kusungumza nasi imangaribi ya leo. Par une parole appropriée. Pitia hii neno yenye kustahili. Croyez de tout votre cœur. Amini na moyo yote. Et Dieu fera le reste. Na Mungu atafanya ile inabaki. Levons-nous pour prier. Tusimame juu ya kuomba. Et remercions le Seigneur. Natumbike Bwana asante. Avec joie, na furaha, nous te disons merci. Nasema asante kwako. Parce que tu nous as parlé avec amour. Jo unazungumza nasi kwa mapendo. O mes enfants bien-aimés. Sa batoto yako mapendwa. Bienvenue ce soir nous élever avec ta parole. Kwai mangaribi kutufundisha na neno lako. Nous étions réellement dans ta présence. Tuko hakika muwepo wako. Dans ta présence, uwepo wako, il y a une puissance. Muko uwezo. Dans ta présence, uwepo wako, le péché fuit. Zambi kuna kimbia. Dans ta présence, uwepo wako, un homme vieux devient nouveau. Mutu wa kuzeka anakuwa kijana. Dans ta présence, uwepo wako, les pécheurs sont sauvés. Batenda zambi kuna okoka. Seigneur, Bwana, comme nous avons été dans ta présence. Sabile tulikuwa muwepo wako. Cette parole bénie. Hivi neno ile kubarikiwa. Hii tunatokea kusikia. Puisse faire son travail. Ipate kufanya kazi hayo. À chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu. Le discernement soit donné. Utambuzi ipate kupewa. Que nous puissions être capables. Tupate kwa mkiwango. À faire ta volonté. Ya kufanya mapenzi yako. À faire des choses agréables. Ya kufanya vitu vyenye kupendeza. Qui sont parfaits. Vyenye kuwa kamilifu. C'est à cela que tu nous appelles. Ni kuile Bwana ulituita. Notre Dieu, Mungu wetu, ta parole est puissante. Neno lako kwa uwezo. Ton évangile, injili yako, nous appelle à la repentance. Inatuita kutoba. Au salut. Wokovu. À la transformation. Kubadilishwa. Afin que nous puissions devenir des hommes nouveaux. Ili tupate kuwa batu bapya. Préparé pour ta gloire. Benye kutayarishwa juu ya utukufu yako. C'est pourquoi. Kwa maana ce soir du fond de nos cœurs. Imangaribi mupana ya mioyo yetu tunasema asante kwako. Tu connais le cœur de chacun. Umejua mioyo ya kila mmoja wetu. Utusaidie Bwana. Que chacun fasse son inventaire. Kila mmoja apate kufanya uchunguzi. Regarde sa marche. Angalie safari yake. Pour voir à quel niveau il est. Tu akuona anafika mwaka kipande kani. Puisque c'est une parole puissante. Juli neno ya uwezo. La capacité. Kuna kiwango. De nous donner des actes nouveaux. Na kutupatia matendo mapya. Des pensées nouvelles. Na mawazo mapya. Des réactions nouvelles. Matendo mapya. Enfin d'être transformé. Ili tupate kubadilishwa. Et que le fruit puisse être vu. Na matunda ipate kuonekana. Merci pour cela. Asante juu ya ile. Béni l'âme de chacun de vous. Bariki nafsi ya kila mmoja wetu. Dans laquelle cette parole est tombée. Ule ineno inaanguka. Comme il y a de la vie. Na vile iko na uzima. Puisse transformer en nous. Ipate kubadilisha ndani yao. Béni ton serviteur. Bariki mtumishi wako mwenye ulitumikisha. Avec tout mon désir. Na kutaka kwema. Afin que cette semence puisse être et planter en nous. Hivi mbegu ipate kuoteshwa ndani yetu. Arrose la Seigneur. Uimimie Bwana. Que ceci puisse Seigneur pousser. Ili ipate kuota. Et que nous puissions avoir une bonne nouvelle. Na tupate kuwa na maisha mapya. Et à cela. Na kwa ile. Nous dirons réellement. Tutasema hakika. Que le Seigneur nous aide. Bwana anatusaidia. Amen. Béni chacun de nous. Bariki kila mmoja wetu. Nous voulons sortir d'ici. Tunataka kutoka mahali hapa. Accompagne-nous Seigneur. Tusindikize Bwana. Quand ton serviteur sera encore sur la table de méditation. Wakati mtumishi wako atakuwa tena kumeza ya kutafakari. Mpatie yote kwa lazima juu ya kanisa yako. L'honneur et la gloire te reviennent. Heshima na kavumwe kurudile tokea mbingu. Naomba hivi. Au nom de notre Saint Jésus-Christ. Jina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Allons dans la pétition. Twende na salama ya Bwana.
Jésus.